commencer par parler de ton parcours professionnel, à où tu as commencé? Mon parcours professionnel, j'ai commencé à Lyon, tout le monde le sait. J'ai fait 18 ans à Lyon, je suis passé professionnel à Lyon. Après, je suis parti 4 mois à Genève, 4 mois à Genève parce qu'en fait je m'étais blessé à Lyon, j'ai une grosse blessure. Pour me relancer un peu, j'ai préféré qu'ils me prêtent dans un club pour enchaîner les matchs. Parce qu'à Lyon, j'étais remplaçant, je rentrais une fois de temps en temps. Et quand je suis revenu de Genève, Strasbourg m'a contacté. Et puis je suis venu à Strasbourg. Bon, maintenant ça fait 7 ans que je suis à Strasbourg. Et c'est vrai que les années passent vite. Hein. Je ne prends pas compte. Hein. Et qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de Lyon alors ? Souvenir de Lyon, tout l'épopée, surtout de Coupe d'Europe, c'était l'époque où on a commencé à nous connaître, surtout à nous connaître au niveau européen. On a fait des jolis parcours, j'ai connu pas mal de joueurs à Lyon, des stars. Et t'as gardé des contacts J'ai gardé les contacts et puis dès que je reviens sur Lyon, souvent on se retrouve. Et t'as aussi remporté la Gambardella avec Lyon, J'ai gagné la Gambardella aussi avec Lyon, ça fait des bons souvenirs aussi. Et dans cette génération, il y avait qui comme joueur ? Génération, il y avait Julie, Bardon, Jurietti, Fabien Debecq, gardien de but. On était une grosse génération. Et il y a quelques Lyonnais là dans l'effectif, j'ai l'impression, avec Nicolas Puy-de-Bois, Guillaume Lacour aussi. Il y a Romain aussi. Romain ? D'accord. Romain, issu de Lyon aussi, et puis Renault aussi. Et ça arrive de parler de Lyon de temps en temps On aime bien en parler. On se remémore un peu tous les moments, parce qu'on a eu à peu près les mêmes formateurs,